Salut les loups, une petite vidéo explicative de l'utilisation de la team Panmé contre les Night Sisters. Alors il faut savoir que contre les Night Sisters en général sans Mphis, donc que ce soit avec l'esprit ou l'acolyte, c'est super easy, il n'y a pas grand chose à expliquer, c'est un hard counter, ça passe crème, voilà. On va directement passer à la version Assage Lead Mphis qui est un tout petit peu plus compliqué parce que forcément Mphis, tout le monde le sait, débuff sur sa basique. Alors ben écoutez, honnêtement, voyez ma compo, hein, Panmé, je faisais déjà le taf à 5 étoiles, hein. Ici elle a 7 étoiles, mais bon, Panmé j'ai 10, Ahsoka j'ai 11, Sbaris j'ai 11 aussi, des speeds et des mods relativement honnêtes, sans plus. Voilà, il n'y a pas vraiment de complications. Je vais pas y aller par quatre chemins. Quelques AOE d'Anakin, quelques spéciales à gauche, à droite. J'ai volontairement focus Assage pour vous montrer que la team est très 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 résistante, même si on fait des erreurs. Donc, les erreurs ici ont été faites volontairement. C'est vraiment pour vous montrer que ça peut durer 3 minutes. Vous ne craignez absolument rien. Donc, sinon, il y a un kill order. Hein. C'est d'abord évidemment Daka, puis Talzin, ou Talzin Daka. Dans le cas de l'esprit, je dirais même de tuer l'esprit en premier. Et puis, ben voilà, après, vous passez à une fisse à la fin. Et là, vous n'avez plus qu'à la gérer avec des basiques, jusqu'au moment où elle perd son buff de protection. Et puis là, une grosse patate, boum dans sa gueule, et terminez le combat. Vous avez gagné facilement. Alors pourquoi l'utilisation de la team Panmé contre les Night Sisters en TOE ou en GA? Bah, tout simplement parce que après vous pouvez garder Traya Sion contre la team Géo. Avec en plus un taunt de sécurité. Moi j'utilise le garde royal. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo le pourquoi du comment. Et par la même occasion, ça vous permet aussi de garder Dark Nihilus pour utiliser dans une autre compo. Par exemple, contre une carte avec un Zalbar récalcitrant ou alors une Bosque avec une Enfys récalcitrante. Voilà, bah, j'espère que ça peut vous aider. À la prochaine fois pour la prochaine vidéo sur l'utilisation de Traya Sion Garde Royale contre les Géos. A plus les loups, ciao!